Eh bien, salut tout le monde, c'est Zetox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 3, sur PS4 toujours. Donc, je vous propose de faire un gameplay en MME, donc match de mort par équipe, avec la classe que j'ai faite ici à l'écran, donc la Vesper, une mitraillette avec une cadence de tir juste. Incroyable, mais bon. Voilà. Donc, MME. Alors, c'est toujours assez délicat de trouver une partie qui n'a pas commencé. Ça, déjà, c'est pas mal. On va faire un top secret. Parce que j'aime pas ces maps qu'il y a là. Ok, déjà, lui, on va le mute parce que je sens qu'il va m'énerver. Oh, mais on peut pas l'entendre, je suis dans la partie. J'ai rien dit. Alors, vous avez été nombreux aussi à me demander si. J'allais continuer à faire du Black Ops 3, etc. Donc oui, ne vous inquiétez pas, il y a du Black Ops 3, il y en aura toujours. Et ça ne s'arrête pas pour le moment, donc profitez-en sur la chaîne actuellement. Voilà. Oh, Combine, oh là là, oh là 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 là, oh là là, c'est tellement bien. Et donc j'ai un petit peu monté depuis l'ancienne vidéo, là, je suis niveau 34. Voilà. Je suis quand même satisfait ayant quand même joué encore les dernières parties là sur PS4 à Call of Black Ops 3. Franchement, c'est juste incroyable. Malgré qu'on n'a pas, comme je vous disais dans l'ancienne vidéo, les exos comme Advanced Warfare, ça reste tout de même génial. Mais on peut. Ça dépend en fait, c'est chacun son gameplay, est-ce qu'on peut quand même monter sur les murs et tout, je trouve ça quand même sympa. C'est assez modernisé, mais presque un peu trop, à mon goût. Hein. Voilà. Donc on va y aller. C'est parti. Je lance une petite Semtex ici, j'en chope toujours rien. Petite astuce, hop là, on est sur Combine. Ah ben, vous voyez ce que je vous ai dit. Mano, ah non, XR2. Oh, ils jouent avec le gros viseur en plus, je sais pas comment ils font jouer avec ça eux. Petit conseil, il y a vraiment une énorme astuce sur Combat, vous lancez des grenades en plein milieu de map, mais c'est tellement pété. Quoi? Attends. Ah, quoi? Non, sérieusement? What? Comment il m'a détecté? Ah, il avait sixième sens, c'est obligé sinon. Allez, on monte un coup sur les murs. Assistance encore. Oh, elle fait pas de dégâts mon arme. Ben, j'ai préféré mettre en fait la poignée ergonomique que le tir rapide. J'aurais peut-être pas dû. Mais bon. XR2, tu l'entends direct. Ah non, Pharo. Alors moi je joue aussi au RK5, une arme secondaire, donc grand un petit pistolet rafale de 3 coups, je trouve ça vraiment génial. Tout simplement en fait parce qu'il a une bonne portée comparé à ma mitraillette, qui est la Vesper. Donc je préfère vraiment largement le jouer avec le petit flingue pour distance et bien sûr je prends les armes par terre pour jouer à distance. Donc ce Call of Duty est assez. Ah là là, j'ai vraiment pas de chance. Je crois qu'il faut que je remette la tir rapide parce que c'est pas jouable. C'est-à-dire que quand vous ramassez une arme par terre, attendez, je vais vous montrer ça parce que je vous avais pas montré. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que je suis mort 7 fois alors que je suis en train de tout niquer mon ratio comme d'habitude. Oh là 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 là. Bon, bref. Si nous jouons plus sérieusement et que je prends cette manoir par terre, je suis toujours obligé de me faire tuer par un truc de spécialiste au dernier moment. C'est-à-dire que le flingue, je l'ai plus, mais je remplace par une arme. Alors qu'avant, il me semble, je suis pas sûr. J'ai toujours cru que si je jouais du genre. C'est-à-dire. Allez hop, ta gueule. Si je jouais avec le. C'est-à-dire que si vous prenez une arme par terre et que vous prenez le flingue, ça va remplacer le flingue et pas votre arme principale, je veux dire. Donc ça, c'est vraiment assez pratique quand même encore. Voilà, pour info, c'est l'annihilateur. C'est vraiment une arme très très puissante. J'arrive qu'on m'a joué avec ma Vesper, quoi, mais. Ouais, c'est abusé, ça. Semtex, des coups de balle, il est pas mort. Tu crois quoi, je t'attendais pas? Traite de M. Il m'a flash, tu veux que je fasse quoi? La Semtex. Comment je tire au GG, lol. Drone allié en approche. Tout repose sur vous, faites un effort. Je sais pas où ils sont, mais non, je sais que. Ça, c'est que de la chance. Regarde ça, regarde ça. Allez, hop là, je te tire avant, lui, sans atout, sans rien dessus. Il me tue avant. Dégage, même pas mort. Allez, ta gueule. Ah la dèche, de nouveau la même chose, que ça m'énerve. Regarde, c'est de nouveau le même mec qu'avant. J'ai commencé à le tirer dessus avant, il me tue quand même. Est-ce que ça me saoule? Ah, eh ben dommage. C'est vraiment dommage. On a perdu la game. On a perdu la game. Voilà, donc je ferai en sorte que la vidéo dure au moins une quinzaine de une vingtaine de minutes. Donc pour ce sur ce, on fait une deuxième petite vidéo, enfin une deuxième petite vidéo, on continue la suite sur du MME. Bon, c'est pas grave, je suis quand même bien éclaté avec ma petite Vesper. Mais je vous recommande, si jamais vous avez des questions un peu sur les armes, vous savez pas trop quoi prendre, n'hésitez pas aussi. Je suis là, je n'y connais pas énorme, mais je pourrais au moins vous conseiller un minimum. Quoi prendre, voilà. Encore une petite combine, moi j'aime bien. C'est vraiment top cette map. Et aussi ce petit pistolet là, plutôt sympa, automatique, le LK9. C'est pas mal aussi. Peut-être regarder juste un truc sur. Alors, moi j'attends pilleur niveau 44 et fantôme niveau 38. Mais sixième sens, je trouve ça vraiment bien. Et je vous recommande vraiment pour les atouts. Si vous jouez à la mitraillette, sixième sens, c'est le top. Mais même le fusil d'assaut. Vous voyez vraiment, en fait, vous détectez sur la map, vous n'avez peut-être pas fait attention avant.
Mais remarque que c'est vraiment pété. On voit vraiment la détection des ennemis à travers les murs, quoi. Sur la manette, sans faire exprès. Voilà, donc, je disais donc que c'est vraiment bien parce que vous verrez sur la map en haut à gauche, vous avez sûrement fait quand même un minimum attention à ça. On voit vraiment les ennemis. On détecte les ennemis quand même à travers. Enfin, à travers. Comme une marque en fait. Voilà, vous voyez sur la map là. Hop là. J'en ai un qui détecte si c'était pas le bon. Hop là. Toi, tu dégages parce que je peux pas me mettre à camper ici. Ah, dommage. Alors, ils jouent beaucoup à la farole, les gens. Je sais pas comment ils font jouer avec cette arme. Déjà, silencieux sur une faro. Déjà qu'elle a pas un énorme. Une énorme. Des énormes dégâts et tout. Mais bon. Enfin, c'est pas trop censé enlever les dégâts, mais. Quand même, quoi. Hop là, bah non. Tu campes, bah pas de soucis. Allez, bim. Et de temps en temps, j'envoie des Semtex juste là. C'est complètement fumé. Parce que quand vous montez les murs sur ici, bah vous ne pouvez absolument rien faire. Je trouve ça vraiment bien. Ah, quel con. Il m'a vu au dernier moment. Cible liquidée. Au revoir. Ce qu'il est con. Il est vraiment con. Il voit que je lance une Semtex, il recule pas, il attend. Tranquille. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre ces deux? Punaise. Oh là là, mais c'est violent là. Oh là, doublé sur la même balle. Ah ouais, quand même. Alors là, j'avoue, le gars, il a géré. Doublé sur la même balle, putain. Quand même. Ouais, ça, c'est de la grosse chance, quoi. Regarde ça. Ouais. J'ai tiré tout à travers. Elle est pétée la pharo. C'est une arme rafale de 4 coups, mais je trouve ça pété quand même. Moi, je reste là. À l'intérieur à cause de ces foudroiements de merde. Encore une doublée sur la même kill, c'est ça? Non, je rêve. Non, je crois pas qu'il l'a chopé encore, c'est pas possible. Mais j'avoue que le mec avec son locus là, putain, c'est bien pété, hein. On voit pas trop jouer ce locus, mais c'est vrai que les snipes comparés aux autres Call of, voilà. Ouais, machine de guerre. Enfin, machine de guerre. Faux. C'est complètement fumé. M8 à 7 par terre. J'aurais dû la prendre. Est-ce que c'est aussi cheaté cette M? Il y a tout qui est cheaté dans ce jeu. Hein. C'est comme tous les Call of Duty. Comme dans Advanced, par contre, on en a déjà assez eu des trucs cheatés. Punaise! Et je peux rien faire. Regarde ça. Oh là là, le mec comme il savait que j'étais là, ils ont même pas de drone, là s'ils en ont, hein, j'ai rien dit. Vu que j'avais enlevé mon truc là, que j'étais censé être invisible par les drones et tout, c'est quand même bien pratique cette M pour pas te faire tuer tout le temps. Allez hop. Oh, sérieux, mais lol, mais quel con, mais est-ce qu'il est bête lui? Le mec, il a cru que ça m'intéresse, c'était une Semtex ou quoi?
Lol, ce qui est con. Doublé. Chier. On n'a pas été entraîné pour ça. Vu ce qu'on a fait, on... Ouais, il a bien mis ses balles, le mec, hein. Tout loupé à côté. Bon, je dis rien parce que la Manowar, j'arrive pas à la jouer non plus. Donc, c'est une question d'entraînement, on va dire. Allez, deux games de lose. Bon, c'est pas grave, je suis pas trop déçu. J'ai encore fait des ratios plus ou moins positifs. Même que. On est à 0,83 sur cette game. Voilà. Alors, sur ce, on va s'en arrêter là pour cette vidéo. Alors, ça met du temps à charger comme d'habitude. Voilà. Niveau 34. Ouais, bah bientôt 35. Allez. Voilà. Et ben moi je vous dis à très vite sur BO3 et d'autres jeux. Salut tout le monde, c'était Detox.